parce qu'on va faire demain un concert de musique. On appelle comment d'ailleurs cette musique? Baroque. C'est ça. Et alors cette musique baroque, elle a été composée par un compositeur, le Roi Soleil. C'est pas exactement ça, mais il y a un rapport avec le Roi Soleil, effectivement. C'est de la musique qui a été composée à une époque où le Roi Soleil était le roi d'or. La musique baroque, c'est quoi, en fait? C'est une musique qui essaye de dire quelque chose aux gens qui écoutent. Alors vous allez me dire, bah, c'est normal, la musique, c'est toujours ça, en fait. Mais la musique qu'il y avait avant la musique baroque, elle était différente. Avant la musique baroque, on l'appelait la musique de la Renaissance. Et à la Renaissance, on essayait de, par la musique, dire que tout est beau, que l'univers est un grand équilibre parfait. Il fallait que la musique de la Renaissance, elle soit belle, qu'elle soit aussi harmonieuse que possible, aussi paisible que possible. Dans la musique baroque, on s'est dit, mais pourquoi seulement vouloir faire quelque chose qui est beau? Ce serait aussi intéressant de faire des choses qui expriment différents sentiments qu'on peut ressentir. C'est quoi les sentiments?